Bon alors, elle galère à monter à 70, la petite derby là. Ma motocyclette. Ah frérot. Ah là, il y en a, ils étaient pas contents quand j'ai dit que la derby elle avait le dem-dem, frère. Ah non, ils étaient outrés. Ils étaient outrés, soi-disant, nous, en 50 cm cubes, sommes des propriétaires de mobilettes. C'est malade, lui, ou quoi? Ah, à notre âge, lui, se toucher les couilles. Ah, à ne pas oublier, maintenant, il y a des dedans. Oh, sa mère. Il y a un ciel bleu, nuageux, soleil, ensoleillé. Je me suis un peu cru trop en été, là. J'ai rien mis en dessous de la doudoune, frérot. Ah, là, t'inquiète, je respire, hein. Il y a un jeune soleil. Ah non, je vois rien et en plus c'est un Dodan. À bord de ma jeune motocyclette, ne dépassant pas les 70 km/h. Ah, j'adore, j'aime bien ce genre de personnes. Alors, tout le monde est parti à la mer? Non, frère, il fait 8 degrés. Ouais, quoique, une petite crêpe. Petite crêpe au chocolat, là. Ce serait bien, là. Ah, c'était un collègue. Bien sûr, je lui dis bonjour, il était trop beau, lui. Oh, calme-toi, donc. Après, les gens, ils vont dire que tu montes pas au-dessus de 80. Oh là là. Merde, 90. Mince. Je suis un menteur. Je trafique le compteur, carrément. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Ah, aujourd'hui, je suis content, les frères. Il fait beau, dans une semaine, c'est les vacances. Tout le monde est... Non, bah non. Je pense que tout le monde ne va pas être en vacances pareillement, je crois. Ouais, je crois que dans ces vacances-là, moi, ma zone, c'est la première. Et après, les gens, ça bouge. Je crois, hein, je suis pas sûr. Mais dites-moi quand vous êtes en vacances, les mecs. On se fait un peu chier là quand même. Vous savez très bien, en ce moment il y a un petit peu moins de vidéos. On était dans le bac. Mais Mich il a décalé le bac. Donc là ça va aller. Clignotant à droite. On peut doubler là, le clignotant à droite. Carrément là on vient taper le cul de Yaris. Non voilà les mecs, du coup les épreuves du bac sont décalées. Ceux qui sont en terminale, dites moi ce que vous en pensez. Moi franchement j'ai pas d'avis hein. Ça me donne un peu plus de temps pour réviser. Même si on va tout avoir en même temps. Ah le mois de mai frérot il va être consistant. Ah c'est mon kiff ça, ça c'est ma cam ça. Allez frère, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on est autant ralenti là? C'est 30 ici, on est à 20. Ah il s'est garé, il y en avait peut-être marre d'avoir des gens. Tu veux traverser frérot? Ah pas de soucis madame. Avec grand plaisir. N'abuse pas Jeannette. Ah le démon carrément, elle saute des vitesses la couze. Ça vous l'avez insulté, vous avez dit que c'était une moto de merde. Elle est pas contente. Eh les mecs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Toutube. On est bientôt 100 watts. Ça me fait plaisir. Ça me fait chaud au cœur. Je suis tout émoustillé. Non en vrai, quand t'as genre plus de 100 000 abonnés, juste quand t'as un petit peu d'abonnés, quand on te demande combien t'as d'abonnés, tu dis, bah j'ai 100 abonnés, t'as 100 000, con quoi lui. Et quoi, il comprend rien, c'est noupi. Petite prio, allez-y madame, y'a personne, j'aime bien. Hop, ce Dodan, c'est une montagne. Les mecs, comme vous l'avez vu, Noah Morel sur Instagram. C'est terrible ce qui lui est arrivé à son âge, tu vois. Je dis ça en vidéo, je vais niquer la vidéo, mais... Les mecs, faites attention. Faites vraiment attention. C'est dangereux. Très dangereux. C'est dangereux, c'est un jeu qui me plaît. Non mais voilà, pour dire de faire attention. Bien sûr, comme je l'ai mis sur Instagram, toutes mes condoléances à la famille. Parce qu'à 16 ans, les frères, c'est pas un âge où on doit partir. À 16 ans, on n'a encore rien vu de la vie. Voilà, faites attention. En plus, à ce qui a été dit, c'était pas un accident, c'était une chute. Et il est mal tombé. Grosse pensée à toute la famille. Et faites attention. Tout le monde a sorti la bécane aujourd'hui. Eh, je vous ai même pas dit ce qu'on allait faire aujourd'hui. On va suivre vos conseils et je vais appliquer les recettes de grand-mère. Je rêve frérot, c'est ma professeure de français à l'intérieur. Non, je te jure si c'est elle, je rigole. Ouais, regarde la route mon ref, t'es en train de nous faire des écarts frérot, j'ai jamais vu ça de ta vie. Ouais, regarde la route, arrête de le regarder, t'as envie de lui manger la bouche ou quoi? Non mais j'ai envie de savoir si c'est elle, parce que si c'est elle frérot, elle a une conduite. Mais je te jure, je reconnais son gros nez, avec son front là, aberrant. Son jeune front miteux, mais je te jure c'est elle. Mais elle se fout de ma gueule par contre. Frérot, t'as 38 km/h, t'es là, tu regardes le passager, je sais pas, mets-toi au drive et mange-lui la queue, bah oui, comme tu l'as fait là. Bah, le clignotant, on peut aller se faire enculer celui-là, bah, vraiment. En fait, je vais pas là, moi je me suis carrément trompé là. Je me suis carrément trompé, frère. Je vais à la station de lavage. Ouais, mais il y a du monde. Allez, petit rond-point. Wesh. Non. Mais pourquoi autant de monde? Il y a une promo quoi aujourd'hui? Non, frère. C'est sérieux? Putain, mais le mec. Bon, là, c'est l'éléphant bleu, mais ceux qui gèrent ça là, ils se frottent les mains, on est d'accord là? L'afro, il se frotte les mains. Oh, les belles. Petite GTI, la bon gros cul.
Bon, on va bouger, hein. On va aller à une autre. Hein. Mais wesh, le monde. Mais c'est quoi ce monde, frère? Vas-y, on va décaler, hein. Parce que là, frérot, c'est aberrant. C'est aberrant. Tout le monde s'est dit, tiens, à cette heure-là, on va aller faire ça. C'est des ouf. J'ai juré, c'est des ouf. Vas-y, moi, je me taille, frère. Je vais pas attendre 200 ans. Oh, regarde, elle part. Oh, regarde, elle part. Oh, le bruit que ça fait. Oh. Oh, le bruit est magnifique. Wesh. Mais frère, il est 17h, un dimanche ensoleillé. Tout le monde vient laver sa caisse. Oh, par contre, j'en ai, ils se font plaisir en bécane, à ce que je vois. Hein. Bon, bah, c'est la vie, hein. On va aller chercher une autre station pour laver le gamos. Je voulais aller là, je me suis dit, va avoir personne, je vais faire ma vidéo tranquille. Mais là, frère, je vais embêter le monde grave. Je vais rester grave longtemps. Et j'ai la flemme de faire la queue. Allez, ça part. Que je prends que 70 avec la bécane. Bah ouais. Putain, c'est beau, ça en bout avec la lumière qui rentre à l'intérieur. Oui, c'est quoi ça? Salon de l'érotisme. Eh, les rageux, il y a toutes vos darons là-dedans, là. Truc de ouf. Oui, c'est quoi ça? C'est quoi tout ça, là? Je vois rien que le soleil. Je vois... Mais c'est quoi ce monde? Wesh. Vas-y, j'ai un autre bail. J'ai un autre plan. À mettre en place l'autre plan. Et hop, derrière la demi-8. Moi. Deux, papy, mamie. Papy, mamie, ils ont sorti le Porsche. Et nous, on sort les 50. Ouais, il est déterminé, frérot. Il a une touffe de cheveux, ça doit faire 10 kilos en plus. Bi 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 bi. Hey, tu. On va faire un blind test, celui qui gagne. Il gagne un stickers. Oh, putain, j'ai les couilles qui grattent. Un peu trop à l'aise, moi. Pa 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 la pa la 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 la. La route. Où est la route? Frérot, c'est un feu qui clignote. On fait quoi quand le feu clignote? Oh sa mère. Est-ce que je meurs? Non, pas aujourd'hui, ça va. Ah, ils sont barricadés, les couses, là. Bon, du coup, dans les techniques qui sont le plus ressorties, les mecs, il y a l'utilisation, bien sûr, du ponçage, mais vous me l'avez pas trop recommandé, celui-là. Il y a l'utilisation autre que le ponçage, mais un peu dans la même optique. C'est la paille de fer, les mecs. Une paille de fer légèrement mouillée, normalement ça devrait faire l'affaire. Donc ça, on va essayer aussi. Mais sinon, vous m'avez dit qu'avant d'essayer tout ça, je lave, je mets du WD-40 et je croise les doigts. Et si ça fonctionne pas, bah je procède à une technique un peu plus développée. Du coup, on va essayer ça dans l'ordre. On va appeler ça les tutos de Micheline avec les conseils de grand-mère. Je te jure, c'est les conseils de grand-mère. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont répondu parce que ça me permet, bah, en vrai, carrément de trouver la réponse. Il y a forcément un truc qui va marcher dans les 500 commentaires qui ont été mis. Hein. Je n'ai aucun doute. Bon, je vais vite fait couper, aller à la salle et on reprend la vidéo après. Vous êtes cons ou quoi? Vous avez vraiment cru que j'allais à la salle, moi? Eh, les mecs. Oh. Quand on est youtubeur, on a besoin d'aller à la salle. Les meufs, c'est trop facile. Oupipou. Alors, normalement, il y en a une là sur le teco, frère. Dis-moi que là, elle est pas prise. Wesh. Oh. Regardez, il y a quoi? Un jeune 85. Pipou. Bon, bah, c'est mort. Hein. Je me suis encore fait baiser sur ce coup-là. Tant pis, hein. Il a sorti son jeune 85, frérot. Il est magnifique. Ça doit être un. Quoi, un 2019? Il était pas moche. Il était pas vilain. Mais moi, je sors le SX, c'est pareil. C'est la même. Petit Z3. Sympa. Je vais trouver un endroit pour aller la laver, frère. C'est. Oh! Regardez-moi ça. C'est sûr, il ramène de la meuf. C'est sûr et certain. À 2 milliards de pourcents. Un petit McDo, si vous voulez, les mecs, à cette heure-là. Non? Bon, allez, j'espère que je vais trouver quand même. Parce que, vas-y, frère, on dirait que je demande un truc de ouf. Je demande une station de lavage. Impossible de trouver. C'est qui? Vous la connaissez, les mecs? Nikita Biushi. Ouais. Regarde! Si on prend pas les 2,90 avec, tiens, mon pistolet, il va sortir. Et voilà, ça va balader du dimanche. Je vous l'ai toujours dit, les mecs, rouler à l'éthanol, c'est la solution. Oh, il est bidé. Ah, ils ont pas là. Bon, quand même, le thème principal, c'était d'aller essayer vos petites techniques. Là, franchement, si celle-là, là où je vais, elle est encore remplie, je pète un câble. Il y a de quoi me faire vriller, là, quand même. Là, ils sont tous alignés, ils sont tous mignons. Ça a abandonné ça ou quoi, mon ref? T'imagines, t'as un local comme ça pour faire tes vidéos. Tatac. Ah, regarde-le.
Il s'amuse. Je sais pas combien il y a de différence avec un compteur voiture, je pense 10. Ou un truc comme ça, je pense. Ouah, les motards. C'est les motards. Salut collègue. Yeah, vous êtes mignon. C'est bien le salut. Papi pao pipa papa la. Je vois une voiture qui rentre. Mais arrête. Demain je revends tous les frères, j'ouvre une station de lavage. C'est encore la queue. Non, arrête frère. Mais tu te fous de ma gueule. Wesh, arrête. Alors il va où? Hop, bah moi je vais là. Et on attend. Putain, bah faut être pas être pressé, tiens. Putain, mais vraiment le bordel ici. C'est la guerre. Putain, mais les gens ils affluent. Mais moi j'ai la flemme d'attendre. Hein. Mais j'ai trop la flemme. Je vais pas attendre. Je me connais, je vais pas attendre. Je vais essayer d'aller en chercher une autre. Est-ce que j'essaye? Ouais, je vais en chercher une autre, frère. C'est impossible. Je vais pas rester là comme une pute. Attends, elle va mouiller la pute. Ouais, elle m'a mouillé. Non, mais c'est un truc de ouf. Putain, ça sent bon. Hein. Frère, j'en fais 3. Les 3 elles sont remplies. Je sais pas, je crois qu'il y avait une promo aujourd'hui. C'est pas possible. Mais non, mais frère, ouais, la dernière. Mais la vidéo, elle a plus aucun sens. Je suis là, mais je me démène pour essayer de tester vos techniques. Je me retrouve là à faire toutes les stations, elles sont pleines. Les rois, éléphant bleu là. C'est plus éléphant bleu, c'est éléphant plaqué or, frère. Tu vois, quand il tape comme ça, c'est ton piston. C'est ton piston, mon copain. Il crie famine. Après, frérot, ça va se finir à faire un partenariat avec Karcher pour avoir une station de lavage. Hein. Dans ma cambrousse, il y a autant de monde. Ouais, comprends pas. Bon, les mecs, dernière station de lavage. Si là, il n'y a pas les frères, c'est que c'était pas la bonne. C'est que c'était pas aujourd'hui, c'est le destin qui fait ça, frère. Non, mais j'ai jamais vu autant de monde. Mais vraiment, c'est blindé de chez blindé. J'en ai fait 3, les 3, elles sont blindées. Ouais, j'espère que c'est ouvert. Yann, station de lavage. Dimanche, 8h30. Hein? Oh non, ta mère. Mais non. Mais vous le faites exprès. Vous voulez pas qu'on aille regarder une caisse? J'ai bientôt le permis. Il va peut-être falloir acheter un petit bolide. Hein. Non, je sais déjà ce que je vais prendre. Un Fofon Pro MV. Ça me met le démon. Oh, je suis congelette. Ça y est, je suis congelette. Bon bah vraiment les mecs, c'est que le destin aujourd'hui voulait pas, c'était pas un bon bail. Je pense que si je lavais la moto aujourd'hui, j'allais me faire les ligaments croisés avec le balai à eau. Mais non, mais je te jure, c'est pas possible. Oh, regardez avec sa petite mini moto, moi c'est mignon. Le daron qui emmène son fils sur la mini bécane, c'est de toute beauté. Je vais venir là avec la crosse. Bon bah elle sera pas lavée aujourd'hui hein. On aura fait une petite balade sympathique, on aura vu de belles voitures. Mais c'est vraiment un truc de ouf. Petite Tesla sympathique qui sort du circuit. On voit que ça pue l'oseille là-bas quand même. Hein. Frère, la dégaine, il était raide comme un piqué lui. Mami, 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 boum, bidi, pipi. Chez la famille. Chez la famille. Eh, mais arrête donc. Ah, sac à merde, va. Putain, ça fait 2 semaines, les frères. Là vraiment, je suis off avec vous. Hein. Aujourd'hui, je me livre à vous. Ça fait 2 semaines, je dois regarder Ted. Vous savez, le petit nounours? Parce que je crois qu'il y a 2-3 ans, j'avais commencé, j'avais jamais fini. Et je l'ai vu sur TikTok, le petit nounours. Et je me suis dit, je vais me refaire Ted. Je vous jure, ça fait 2 semaines. Je dis, tiens, je vais le regarder aujourd'hui. Ça fait 2 semaines, je l'ai pas regardé. Est-ce que vous êtes comme moi les mecs, vous arrivez pas à regarder de séries? En fait si, j'arrive à regarder des séries, c'est juste que je sais pas les laisser durer dans le temps. Genre laisser le suspense, t'as capté? Il y a une série qui sort vraiment, c'est... Je regarde pas beaucoup hein, genre 3-4. Mais je les saigne, dès qu'elles sont finies, bah c'est fini, ciao basta. Mais je te les finis en une journée. Quand c'est une saison, mais quand genre c'est 4 saisons, bah je vais mettre 2 jours, mais je vais tryhard, enfin je vais plus dormir. Je vais plus à l'école juste pour regarder la série. Logique. Mais je suis sûr que je suis pas tout seul dans ce cas. Bon bah les mecs, j'espère que vous êtes pas trop fait chier quoi. Bloqué à la station essence, frérot. Non mais jamais vu ça de ma vie. Oh, la Twingo, c'est vraiment moche. Et eux, ils te lavent pas les voitures chez Carrefour? Bah non, ils te lavent pas les voitures, c'est chiant. Ah bah moi j'ai écouté, je vais les mettre en survette. Petit survette, petit Netflix, on va aller regarder Ted l'ourson. Bon après, je peux laver le pot à la brosse, mais il y aura pas la pression. Mais je pense qu'il faut de la pression. J'aime bien la couleur, le petit orange, on dirait une petite orange, une petite clémentine. Qu'est-ce que vous en dites? J'aime bien. Là, c'est l'épingle. C'est un chicane.
plus qu'une semaine avant les vacances. Et je sens que là, il y en a dans les commentaires, ils sont en train de rager parce qu'ils sont en vacances dans 3 semaines. Enfin, après, les frères, quand moi j'aurai repris, vous allez être en vacances. T'as capté? Tu sais très bien comment ça finit. En vrai, je pense que d'être en vacances le dernier, c'est bien. Parce qu'après, frère, je vais douiller. Pendant 7 semaines, j'ai pas de vacances. Je serai jamais autant allé à l'école. C'est vrai que le X6, c'est un gros truc, un gros mazar, mais il est coupé. Bon, mes frères, mes sœurs, je vous laisse. Je vais aller regarder Ted l'ourson. Et on se capte à la prochaine pour une nouvelle vidéo. De toute façon, là, je vais en sortir plusieurs comme je serai en vacances. Sur des nouveaux thèmes assez sympathiques à aborder. C'était Léo, j'espère que vous allez bien. Allez, ciao, 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 ciao. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just